Boker Tov, Shavua Tov, Parashat Beshalach, Am Israël qui sort d'Égypte. Vayehi Beshalach paro et Aham. Velonaham Elohim, Derech Eretz Pelishtim ki karovu, ki amar Elohim, Veninachem Aham, Birotam Milchama, Veshavu Mitzrayma. Au moment que Pharaon envoie le peuple d'Égypte, Dieu n'a pas voulu les guider par le pays de Philistins, car Dieu a dit, je n'ai pas envie que les Hébreux, le peuple d'Israël, quand ils verront la guerre, ils voudront retourner en Égypte. Ça, c'est le texte. Le Zohar HaKadosh pose la question, Vayehi Beshalach Paro et Aham. Vayehi, c'est toujours un langage de tristesse. Vayehi. On a expliqué quelquefois pourquoi c'est un langage de tristesse. En hébreu, quand tu dis Yehi, ça veut dire au futur. Quand tu dis Vayehi, c'est que tu veux prendre le futur, tu veux qu'il soit déjà dans le passé. C'est-à-dire que je suis tellement pas content de ce moment que je veux déjà qu'il passe derrière. Donc, Vayehi, c'est un langage de tristesse. Langage de tristesse à propos de qui? Alors, à propos de Pharaon, comme on voit tout de suite dans la paracha, Pharaon regrette de libérer, d'envoyer les béné Israël. Après 3 jours, on vient annoncer à Pharaon, tu sais, les béné Israël, en fin de compte, ils ne vont plus revenir en Égypte. Qu'est-ce qu'il fait? Il ramasse tous les Égyptiens et dit, nous allons faire la guerre. On va ramener les Hébreux en Égypte. La question qui se pose. Toi, Pharaon, tu as eu 10 plaies. La dernière plaie la plus difficile de toutes les plaies. Tu as perdu 35% de la population égyptienne. 35%. Tu veux t'aventurer encore une fois de nouveau? Refaire la guerre avec Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Tu es complètement fou. Comment Pharaon a osé? C'est une question qu'il faut se poser. Il a eu 10 plaies, une plus dure que l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'avait rien à perdre? Les Béné Israël sont sortis d'Égypte. Il veut refaire la guerre. Il y a quelque chose. Il y a une folie. Oui, il a plus. Mais tout ça, c'est beau quand tu regardes sur une histoire. Mais quand tu essaies de regarder une réalité, est-ce que c'est une réalité de vie qu'un homme comme Pharaon est capable, après tous les 10 plaies, tous les coups qu'il a pris, de ressentir en guerre? Il faut être fou pour le faire. Comment ça se fait? Il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé chez Pharaon pour le faire. Et maintenant, et plus que ça. Et à Kadosh Baroukh, qu'est-ce qu'il dit? Je ne vais pas guider les béné Israël par le chemin des Philistins pour arriver directement vers Gaza. Oui. Parce qu'ils vont voir la guerre, ils voudront retourner en Égypte. Et la question qui se pose, est-ce qu'ils n'ont pas vu des guerres pendant les 40 ans qu'ils étaient dans le désert? Ils ont vu des guerres. N'ont pas décidé de retourner en Égypte parce qu'il y avait des guerres. C'est vrai que dans l'histoire des espions, des Meraglim, ils ne voulaient pas aller en Israël parce qu'ils ont dit ça sera très dur, très compliqué de faire la guerre. Ils ont voulu retourner en Égypte. En particulier, ce n'est pas sur chaque histoire qu'ils voudront retourner en Égypte. Dès qu'ils vont voir une petite guerre, ils voudront revenir en Égypte. Alors, Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, dans Pri Tzadik, il dit une idée extraordinaire. Il faut savoir que la Touma, quand elle est tellement loin de la Kedusha, elle ne s'approche pas de la Kedusha. Quelqu'un ne peut jamais être jaloux de la reine d'Angleterre. Pourquoi il n'est pas riche comme la reine d'Angleterre? C'est loin. Ça lui paraît tellement lointain. Il n'est pas là. Mais quelqu'un peut être jaloux de son voisin ou d'un collègue ou de quelqu'un qui était comme lui et que tout d'un coup, voilà, de ce que tu penses que tu peux
avoir, que tu aurais pu, même dans l'idée tordue. C'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu, quand il donne à quelqu'un, c'est-à-dire que c'est à lui et pas à l'autre, mais la personne dans son idée, toujours il peut être jaloux que de quelque chose qui est proche de lui. Même le Yetzer Hara, le Satan, quand il y perd un juif, le juif est devenu tellement kadosh, il n'aura plus de tentation du Yetzer Hara. Mais quand il est encore, il est entre les deux, là le Yetzer Hara, il veut le récupérer. Il fera tout. Pharaon, quand Israël n'était pas avec des idées pures de Kdoucha encore, c'est là que ça réveille en lui cette envie d'aller les récupérer de nouveau en Égypte. Et c'est pour ça que le Vayehi Beshalach Paro, le Vay, même que Amisraël est sorti d'Égypte, pour nous c'est la plus belle chose, c'est le plus beau cadeau que nous sommes sortis d'Égypte. Mais comme nous sommes sortis d'Égypte, pas avec une grandeur d'esprit, comme il est écrit dans le Midrash, que quand ils ont traversé la mer Rouge, il y avait des statues égyptiennes dans leur sac. Ils avaient de l'idolâtrie dans leur sac encore. Donc évidemment que chez Pharaon, c'est renforcé chez lui l'idée de vouloir récupérer les Béné Israël. Comme ils ne se sont pas tellement éloignés de la Touma, elle veut s'alimenter quand même. Il faut savoir que même la Touma, elle ne peut pas vivre. Elle ne peut pas vivre sans s'alimenter. C'est comme un virus. Un virus attaque le corps de l'homme. Tant qu'il peut manger, il mange. Mais s'il a tout ravagé, il n'a plus de quoi s'alimenter. C'est ce que le Ramchal explique. Ils ont posé la question au Ramchal. Comment Mashiach va venir avec autant de Touma dans le monde? Écoutez les phrases du Ramchal. Il a dit une phrase extraordinaire. Il a dit la Touma, elle va manger. Et puis quand elle va manger, elle va grandir. Elle va grandir encore plus. Elle va devenir énorme. Elle va manger tout ce qu'il y a autour d'elle. Et à un certain moment, elle n'aura plus de quoi manger. Elle va se manger à elle-même, elle va se détruire toute seule. La Touma, ça ressemble exactement. On peut voir l'exemple très simple. Tu peux voir, par exemple, une dépouille d'un animal. Un animal qui est mort. Tu vas voir les premiers jours, ça sent très mauvais. Pourquoi? Parce qu'il y a des microbes. Ça bouge, tout bouge. Ça gonfle. À un certain moment, ça va exploser, ça va partir comme un fruit. Tu prends une tomate. Une tomate, tu l'as sur ton toit. Premier jour, elle est dure. Deuxième jour, elle est moins dure. Troisième jour, elle est très molle. Quatrième jour, elle commence déjà à recevoir des... comme si elle a pris des coups. Sixième et septième jour, déjà, ça explose et tu as de l'eau qui coule de partout. 7, 8, 9, 10 jours, elle commence à sécher. Et après, tu peux la manger comme une tomate sèche. Oui, les fruits secs, c'est pareil. Ça pourrit. Les microbes, ils n'ont plus de quoi manger et ils s'en vont. Il n'y a plus rien du tout. Et après, tu peux manger. Exactement la Touma. La Touma, elle a besoin de s'alimenter de quelque chose. Elle s'alimente quand elle peut s'alimenter, elle s'alimente. Elle mange, elle mange, elle mange, elle mange. Après un moment, il n'y a plus de quoi lui donner. Donc, elle est annulée. Mais quand elle peut s'accrocher, quand elle a attrapé quelque chose, elle a une petite faille où elle peut rentrer. Le microbe, il peut attraper que dans un petit trou. Ou que c'est ouvert, il peut rentrer. Si c'est pas ouvert, il peut pas rentrer. Quand l'homme, il est dans la kedusha tellement fort, la Touma ne peut pas se coller à lui. Quand il est pas investi à 100% dans la kedusha, là, la Touma, elle peut atteindre. Et c'est ça ce que la Torah, elle pleure. Vayehi beshalach paro est un vaï. Vaï. Ça fait mal. Oy vaï. Ça fait mal. Vayehi beshalach paro est un vaï pour un Israël que Pharaon. Si Pharaon se pose la question et il commence à regretter pourquoi il a lâché les Bnei Israël, c'est-à-dire que les Bnei Israël ont à se reprocher quelque chose. Ils ne sont pas si proches de Dieu. Si Pharaon a une idée, a une envie de récupérer un Israël, il y a quelque chose. Et c'est ça ce qu'il dit, même à Kadosh Baruch Hu, puisque Paro, lui, même à cette réflexion, on voit que même par rapport à Kadosh Baruch Hu, les Bnei Israël ne sont pas investis à 100% des Mouna. Si un Israël était plein d'émouna, Akadosh Baruch Hu nous fait sortir d'Égypte. En combien de temps il serait rentré en Eretz Israël? 11 jours. 11 jours. Ces 11 jours, c'est pas rien que marcher la route 11 jours, traverser le désert du Sinaï et rentrer en Eretz Israël. C'est aussi des niveaux de Kedusha. Un Israël a atteint des niveaux extraordinaires de Kedusha. Combien de travail de Avodat Hashem un homme a besoin de faire
pour rencontrer Eliyahu HaNavi. Imaginez-vous, quelqu'un qui vient qui te dit, moi je veux rencontrer Eliyahu HaNavi. Combien de temps ça va me prendre? Je vais dire peut-être un an, deux ans d'études et de travail, d'avoir ta chaîne, ne pas parler du Lashon Hara, ne pas voir où il ne faut pas regarder, ne pas parler une parole. Et peut-être après tu vas voir quelque chose. Là, en 49 jours, ils n'ont pas vu Eliyahu HaNavi. Ils n'ont pas vu les anges. Ils ont vu Dieu qui est descendu. C'est-à-dire que le tikkun de l'âme, quand tu veux te donner et t'investir, ça peut y aller très très vite. Des fois, on voit des Baalei Teshuva qui ont fait une Teshuva exceptionnelle, une Teshuva extraordinaire, qui sont tellement proches d'Akadosh Baruch Hu, qui peuvent atteindre des niveaux que quelqu'un dans son étude de Torah, 15 et 20 ans, il n'est pas arrivé. Pourquoi? Quelle est la différence entre les deux? C'est que celui-là qui a fait cette Teshuva, il s'est tellement investi dans la Kedusha, tellement il est amoureux de Dieu, tellement il veut se coller à Akadosh Baruch Hu, qu'il a atteint un niveau supérieur, que celui qui étudie la Torah 20 ans, mais il n'a pas été investi à 100%, il n'a pas atteint ce niveau. C'est pour ça qu'il a un ribouillon, il a une lumière extraordinaire. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas, ils n'arrivent pas à comprendre comment est-ce possible qu'un Baal Tshuva, il peut être proche de Dieu plus qu'eux. Et ça les rend fous de rage. Ils se disent, celui-là, hier il était en train de danser dans un bar, aujourd'hui il est plus statique que moi, c'est lui qui va me faire une bracha. Oui, oui mon frère. Aujourd'hui, lui, il va te faire une bracha. Parce que lui, quand il s'est investi dans la shrina, dans la tfila, dans le limud Torah, il s'est investi à 200%. Toi, tu as investi toujours à 60%, 70%. Ça fait la différence. Un bon investissement dans la kedusha, c'est tout. Maintenant, la Torah va nous expliquer pourquoi Pharaon, il a couru derrière Am Israël. Tu sais pourquoi? Parce que même Dieu, il n'a pas voulu faire passer les béné Israël dans le chemin qui amenait vers les Philistins, derrière Eretz Philistim, parce que Dieu a vu que le peuple n'est pas investi en Emouna à 100%. Ils vont avoir une guerre, ils vont avoir peur, ils vont se mettre derrière tout de suite. C'est un peuple qui cherche un confort maintenant. Pas un peuple qui veut forcément coller à Dieu. Et ça c'est le problème d'Am Israël. C'est ce qui va réveiller Pharaon. Il dit, puisque vous n'êtes pas si grands tzadikim, moi aussi, je peux essayer de vous récupérer. Moi aussi, je peux essayer de vous récupérer. Quand tu ne t'investis pas dans la Kedusha, automatiquement, la Touma, l'impureté, elle essaye de te coller. Il a dit, Rabbi Bounem de Parchisra, Rabbi Bounem était un des plus grands tzadikim de Pologne, celui qui a diffusé la Torah du Baal Shem Tov en Pologne. Le Baal Shem Tov ne vivait pas en Pologne. Le Baal Shem Tov vivait dans les monts Carpates, oui, dans certaines régions vers la Russie blanche. Ses élèves sont partis dans ces endroits là-bas, à côté de Prague, dans ces régions, Tchécoslovaquie plus haut. Et de là-bas, les élèves du Baal Shem Tov, il y a une partie qui est partie en Russie blanche, comme le Baal Atania, comme Rabbeinu, Rabbi Nachman de Breslev. Il y a une autre partie qui est partie vers la Pologne, c'est les élèves du Magui de Mezritch, Rabbi Elimelech de Lijensk, etc. Et Rabbi Bounim de Parchisra, c'était la région de vers la Varsovie, etc., la ville de Parchisra. De lui est venu les chassidim de Gour, par exemple, Kotsk, Alexander et d'autres. Le mouvement chassidisme de Pologne est lié, souvent, c'était dirigé, c'était Rabbi Bounim. Rabbi Bounim était un des lumières de la chassidim. Tout à l'heure, Rabbi Bounim a expliqué que on dit dans Parashat Kitetse la milchama lo yivecha, untano adonai eloecha biyadecha veshavit hashivyo, quand tu sortiras en guerre contre ton ennemi. Donc ça, ils ont dit, c'est la guerre du Yetzer Hara. Et tu sors en guerre, tout d'un coup, tu vois une belle femme, jamais tu l'as aperçue. Alors, si, ils ont dit le Yetzer Hara. Rabbi Bounim, il a expliqué, il a dit que ça, c'est le vrai pshat. La guerre avec les Égyptiens, ou pas avec les Égyptiens, c'est la guerre temporaire, c'est quelque chose qui va se passer vite, qui va venir. C'est occasionnel. Tu vas à l'occasion, tu fais une guerre. Après, tu rentres chez toi, tu fais pas toute ta vie une guerre. Mais la vraie guerre que tu restes toute ta vie, ça, c'est la guerre avec le Yetzer Hara. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a vu. Peut-être ce peuple ne sera pas fort assez en Emouna. Et n'importe quelle chose qu'ils vont voir, ça va les éloigner de la Emouna, ça va les éloigner d'Akadosh Baruch Hu. Ils vont voir que le Yetzer Hara, il est très fort. Oh,
Si le Yetzer Hara est très fort, tu ne peux pas faire la guerre pour conquérir la terre d'Israël. Il faut que tu sois Kadosh. Si aujourd'hui nous avons tous ces problèmes, toute cette bataille avec nos voisins qui veulent occuper cette terre, qui veulent nous faire autant de mal, pourquoi ils se collent? Parce que nous ne sommes pas tellement investis dans la Kedusha. Puisque nous ne sommes pas tellement investis dans la Kedusha, ils disent pourquoi pas nous? Si on était un peuple Kadosh, tous investis dans le Shabbat, tous investis dans Avodat Hashem, aucune personne n'aurait pu prendre cette terre. Si on était là pour construire Beth Amikdash, aucun peuple ne peut nous approcher. Mais quand les Arabes, ils voient que nous sommes là et qu'il y a une manifestation de 2500 personnes parce qu'ils veulent ouvrir les magasins Shabbat, et quand ils font des trucs pour dire en Eretz Israël, sur la terre sainte d'Akadosh Baruch Hu, sur la terre sainte d'Akadosh Baruch Hu, ils voient qu'on a envie, qu'on fait autant de tout, ils se disent c'est à toi cette terre, tu es tellement loin du destin de cette terre, pourquoi pas nous, pourquoi pas nous? Et c'est ça ce qui amène en réalité les Xerot Kachot de Ham Israël. Pourquoi Paro au cours de Ham Israël? Pas parce que Paro est têtu, pas parce que Paro est mauvais, parce que nous dans Ham Israël, on manque de Emouna. Nous dans Ham Israël, on n'est pas capable de suivre Dieu dans le désert, on aura peur de la guerre. Ah, t'as peur de la guerre, tu te bases plus sur Akadosh Baruch Hu. Problème de Paro. Comme qui dit Rashi, sans la faute, en 11 jours, on serait rentré en Eretz Israël. 11 jours, pas 40 ans, 11 jours, on serait rentré en Eretz Israël. Et après, ok, ils ont fait Matan Torah. Ils ont fait un tikkun, normalement. Ils ont eu une emouna. S'il n'y avait pas la faute des Meragilim, avec les 40 jours de Kabbalat Torah, 40 jours du milieu et les 40 derniers jours, 120 jours, ça a duré depuis Matan Torah jusqu'au Meraglim, on serait rentré en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a alimenté un Israël 40 ans de la manne pour pouvoir enlever toutes les traces de manque d'émouna qu'ils avaient. La manne, c'est pour venir te dire tous les jours, comme on voit à la fin de la paracha, regardez la fin de la paracha de Béchalach, justement, quand Akadosh Baruch Hu leur donne la manne, premier jour, les gens ils sortent dehors pour le récupérer. Arrive Shabbat, Akadosh Baruch Hu a donné le double vendredi pour qu'ils n'ont pas besoin de sortir dans les champs. Non, on va ressortir demain. Qu'est-ce qui va se passer dimanche? Akadosh Baruch Hu te dit, c'est ça, c'est pour t'expliquer. Emouna, c'est la plus grande chose qu'un juif peut recevoir pour se rapprocher à Akadosh Baruch Hu. Le Baal Shem Tov, il a dit, on peut faire tous les plus grands miracles sans prononcer aucun nom divin, aucun nom de Kabbalah, rien du tout, que par la Emouna simple. Emouna simple. Le manque d'Emouna nous fait tous nos problèmes. Tous les problèmes qu'on a dans la vie, c'est par un manque d'Emouna personnel. Chacun à son niveau. Chacun à son niveau. T'es proche d'Hachem, il faut que tu vis Emouna. Et c'est pour ça qu'on avait besoin de la manne. Et c'est pour ça que plus que ça encore, la Gemara, elle dit, c'est écrit dans le Talmud de Jérusalem, qu'un homme doit prier. Vous savez quelle est la plus grande tefila qu'on a besoin? Plus que la prière qu'on demande à Kadosh Baruch Hu qui nous donne une parnassa, vous savez quelle prière il faut faire? Que le besoin de la parnassa ne nous tord pas le cerveau. Que le besoin de manger ne nous rend pas des animaux. Parce que même un animal a besoin de manger. Mais si on regarde ce que l'homme a investi pour sa nourriture, il est plus qu'un animal. Beaucoup plus qu'un animal. Regardez les films de National Geographic. Vous allez voir l'animal, il est en repos. Il est en repos, une demi-heure avant de manger, il va chercher sa proie. Il a une émouna complète en Akadosh Baruch Hu qui va lui amener. L'homme, 24 heures sur 24, il est là-dedans. Comment je vais avoir de l'argent? Comment je vais gagner? Ça détruit l'homme. Ça t'enlève tout ce que tu es. Ça t'enlève. Alors l'homme, il se dit, je ne suis pas animal. Pourquoi tu n'es pas animal? Parce que tu ne dévores pas avec tes mains. Ok,
Tu dévores avec ta fourchette, tu dévores avec ta bouche. Toute la journée, tu es que dans l'idée, qu'est-ce que je vais manger? Comment je vais avoir de l'argent? Comment je pourrais m'acheter ceci? C'est quoi? C'est d'être animal. C'est d'être animal. C'est de s'occuper toujours que de tes besoins animaux, que de tes biens matériaux. Ça, c'est d'être animal. Et c'est ça ce qui devait passer dans le désert, sortir de ses idées, vivre la manne et mouna. Donc, plus que ce qu'on a besoin, on a besoin de consacrer du temps pour la prière, pour que Kadosh Baruch Hu nous donne une parnassa. Mais il ne faut pas consacrer moins de moments pour la prière, pour prier que ça ne me détruit pas ma émouna personnelle. Et c'est ça tout le lien de Parashat Béchalar. Après la sortie, vous allez voir l'histoire de la manne, on va parler de ça. La manne, le manque d'émouna quelque part. L'onig naturel, le orle aman, naturel, peut donner à Kadosh Baruch Hu, il donne la Torah qu'à quelqu'un qui s'éloigne de tout cette touma. Qui se dit, c'est Kadosh Baruch Hu qui donne tout. Ça, c'est le tahlit. Ça, c'est le tahlit de toute la Avodat Hashem. Je suis nisqué, Bezrat Hashem, de se renforcer en Emouna, que le pharaon qui nous guette, qui nous attend derrière, il ne pourra pas nous attraper, il ne pourra pas nous accrocher, parce qu'on sera tellement impliqué dans la Kedusha et dans la Tahara et dans la Emouna, que Bezrat Hashem, on va se débarrasser de Baruch Adonai et leur lame. Amen, amen. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine.